Hello les explorateurs, c'est Camille d'e-commerce Nation. Je suis ravie de vous retrouver pour la Winter Edition des Big Boss. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir l'envers des décors. Cécile, merci d'être avec moi pour cette nouvelle interview. Bah, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais me dire un peu qui tu es, présenter ton parcours, où tu travailles actuellement ? Donc moi je suis Cécile Nondedeux, directrice marketing et communication chez Transavia. Donc je pilote avec mon équipe l'ensemble de la communication, que ce soit la communication interne et la communication externe, donc tout ce qu'on fait en publicité, les réseaux sociaux, le contenu, le corporate, les relations presse, la marque, donc beaucoup de très beaux sujets. Oui, c'est beaucoup de très beaux sujets. Bah, justement, en fait, on sait que c'est une période qui n'a pas été facile pour tout le monde, et notamment pour ton secteur. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer comment Transavia a réussi à reprendre son activité, et est-ce que tu auras un peu des conseils que tu as pu utiliser lors de cette reprise ? Alors en fait, nous on est positionné sur un réseau court courrier et moyen courrier. Donc en fait, on a pu reprendre les vols assez rapidement finalement au gré de la levée des restrictions. Les compagnies qui sont sur le moyen courrier sont celles qui ont pu repartir le plus vite. Et donc il y a eu un travail très important qui a été fait par les équipes du programme pour réajuster en temps réel les destinations, l'offre de vol en fonction de la demande. Ensuite, la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est la flexibilité commerciale. C'est qu'on a proposé à nos clients de pouvoir reporter sans frais leur billet s'ils le jugeaient nécessaire. Donc, et on a toujours cette flexibilité qui est en place aujourd'hui. C'est un élément important en fait dans la politique commerciale. Et puis après, en termes de communication, bien évidemment, avec mon équipe, on s'est adapté sans arrêt à la situation, au stop and go. Et donc, il a fallu lancer des campagnes quand c'était le bon moment. Et on a donc lancé plusieurs campagnes avec notre nouvelle plateforme de marque qui est centrée sur les belles raisons de voyager, avec une nouvelle signature qui est les destinations qui vous sont chères moins chères. Et donc c'était vraiment le bon moment pour lancer cette campagne avec différents visuels, puisqu'en fait au moment des déconfinements on avait tous de très très belles raisons de voyager, que c'était pour revoir ses proches par exemple, pour partir en vacances en famille à l'étranger alors qu'on n'avait pas pu le faire depuis longtemps, pour aller visiter une ville en Europe par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu la stratégie qu'on a mis en place. Top, merci pour tes retours. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes vraiment sur la même stratégie ou il y a eu une évolution ? Comment ça se passe ? Donc les enjeux de communication qu'on a pour Transavia, on a différents objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment de soutenir la croissance rapide de l'entreprise, puisqu'en fait, en 2022, on va passer à 61 avions alors qu'on en a 50 aujourd'hui. Donc c'est vraiment une croissance importante. Donc il y a vraiment des objectifs business. Ensuite, on va travailler la notoriété, puisqu'en fait, on est un challenger sur le marché du transport aérien low cost. Face à nous, on a des poids lourds. Donc on doit travailler un petit peu notre notoriété, notre différenciation. Et on va beaucoup travailler aussi sur la préférence de marque, puisque une de nos ambitions, c'est de devenir la compagnie aérienne low cost préférée en France. Et pour ce faire, on va s'appuyer en fait sur une expérience à bord et un service client de qualité et qui est reconnu par nos clients, puisqu'on a eu au mois de novembre le label Capital meilleure enseigne qualité de service. Top. Voilà. Donc c'est vraiment rester dans le low cost, mais apporter vraiment un service aux clients. Voilà, en fait, ce qu'on dit nous, quand on se définit, on dit « we make low cost feel good », c'est-à-dire que oui, on est avant tout une compagnie aérienne low cost qui va proposer des prix attractifs, des petits prix, mais on va aussi apporter une qualité de service importante, que ce soit pour le service client, pour l'accueil à bord et également pour tous les services digitaux qu'on va proposer. Top, merci. J'ai vu que vous étiez présent sur les réseaux sociaux. Bah, est-ce que tu pourrais me dire sur lesquels actuellement ? Et en fait, quelle stratégie vous adoptez vis-à-vis de ça ?
Les réseaux sociaux, alors on est présent sur la plupart des réseaux sociaux. Ils sont très très importants pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus de 2/3 de nos ventes se réalisent via notre site internet. Donc on est une compagnie vraiment très très digitale. Le deuxième point, c'est qu'on a une cible de clients qui est très variée. Mais parmi nos clients, on a plus de la moitié de nos clients qui ont moins de 40 ans. Donc on a aussi une cible assez jeune. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de toucher cette cible. Et on va aussi utiliser les réseaux sociaux pour le service client. On va, par exemple, on a notre service client sur WhatsApp et c'est plébiscité par nos clients puisque ça permet d'échanger rapidement avec nos agents. Et donc sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, sur Instagram, on est également sur Twitter, sur LinkedIn. Sur Facebook et sur Instagram, la ligne éditoriale, c'est vraiment de travailler la préférence de marque et on va travailler avec nos personnels navigants. En fait, on a une équipe d'ambassadeurs dans nos personnels navigants qui vont incarner la marque sur les réseaux sociaux. Donc on a créé avec notre agence Marcel qui nous accompagne différents contenus pour mettre en avant nos personnels navigants. Et en fait, l'idée pour nous, c'est pas juste de montrer une destination, par exemple une belle photo de plage avec un prix, puisque finalement dans le secteur du travel, c'est ce qu'on voit beaucoup, mais c'est aussi de que nos personnels navigants expliquent pourquoi cette destination est importante pour eux et de relier que ce soit un petit peu nos personnels qui incarnent l'entreprise aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on fait sur Facebook, c'est ce qu'on fait sur Instagram. Sur Twitter et LinkedIn, on va avoir une approche un peu plus corporate. On va mettre en avant les actualités de l'entreprise, on va mettre en avant les engagements RSE de l'entreprise par exemple, voilà un petit peu ce qu'on fait. Et on a lancé en septembre une première campagne sur TikTok qui a très bien marché, c'était notre première campagne de publicité aussi sur TikTok. Top. Et ça consistait en quoi du coup sur TikTok? C'était une vidéo en fait qui était une déclinaison de notre vidéo de campagne. Okay. Qui reprenait un peu les codes de TikTok. Et donc c'était un premier essai, ça a très très bien marché. Et en fait qu'on a nous, l'avantage qu'on a par rapport à notre marque, c'est que c'est une marque assez jeune, une marque assez drôle, assez humoristique, assez décalée. Donc on a un terrain de jeu qui est intéressant à la fois en termes de publicité, mais aussi sur les réseaux sociaux pour notre communication. Top, bah j'ai hâte de voir les prochaines publications sur TikTok. Est-ce que, bah là tu nous as parlé beaucoup de la France, est-ce que vous avez une différence de communication, que ce soit sur la France, l'Espagne ou même le Portugal ? La France, ça reste vraiment notre marché prioritaire, c'est vraiment là qu'on communique le plus. En France, on va vraiment déployer l'ensemble du plan marketing et communication à 360. Sur l'Espagne et le Portugal, on va se concentrer sur certains points de contact. On va faire des relations presse, par exemple. Et puis après, sur le digital, on va faire beaucoup d'acquisitions, du retargeting et des réseaux sociaux. Et on va essayer, quand on peut, dans la mesure du possible, de se coordonner pour avoir une cohérence dans les contenus et pour avoir aussi des économies d'échelle dans ce qu'on va développer entre les trois pays. Ok, top. Bah, merci pour toutes tes réponses. Là, on va parler plus de 2022, du coup. Quelle est, toi, ta vision pour 2022? Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois arriver? Nous, en 2022, on va très clairement continuer à travailler sur nos objectifs de notoriété, de préférence et de construire en fait nos ambitions business. Mmh. Donc, on va s'appuyer, pour faire ça, en fait, on va s'appuyer sur les valeurs de marque, les valeurs de notre marque. Donc, on a différentes valeurs. La première, c'est l'audace, parce qu'on est une jeune entreprise qui se développe. La deuxième valeur, c'est la bienveillance qui est incarnée par nos navigants par rapport à l'accueil à bord. Ensuite, on est enthousiaste aussi, on est toujours dans l'énergie. Et puis le dernier point, c'est la responsabilité aussi, tout ce qui est responsabilité RSE. Donc on va s'appuyer sur ces valeurs qui sont vraiment très fortes et pour travailler notre plan de communication et marketing. D'accord. Parfait. On se retrouve sur la Winter Edition des Big Boss. Qu'est-ce que toi, tu peux me dire de l'événement? Est-ce que c'est la première fois que tu viens? Alors déjà, je voulais vraiment remercier les organisateurs des Big Boss pour m'avoir convié en tant que membre du jury cette année. Donc c'est la troisième fois que je viens. C'est la première fois en tant que membre du jury. Pour moi, c'est vraiment un très bel événement qui nous permet, nous, marque, de se familiariser avec toutes les innovations, les nouveautés qu'il peut y avoir sur le marché du digital. Ça nous permet aussi de rencontrer différents acteurs, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien, et puis de lancer des nouveaux chantiers ou trouver des nouvelles solutions pour des problèmes qu'on peut rencontrer.
D'accord. Et du coup, si tu devais justement décrire l'événement, que ce soit en une phrase ou un mot, ce serait... Je dirais le networking dans la bonne humeur. D'accord. Top, merci en tout cas pour cette interview et à très bientôt. Merci à toi pour cette interview et à bientôt. À bientôt.